Bienvenue sur ordimaire.com. Bonjour à tous. Mon exposé sur le montage vidéo avec le logiciel Magix va vous être présenté en trois parties. Le logiciel de montage vidéo Magix est une solution complète pour le traitement des images. Les caractéristiques principales du logiciel Magix sont vidéo haute définition 4K et 3D, 99 pistes, 1500 effets vidéo et audio, son Dolby Digital 5.1. La réalisation d'un film se déroule en deux étapes. Premièrement, la création du projet d'un film. Deuxièmement, la réalisation du film à partir de ce projet. L'importation des éléments du projet se fait à partir des matériels suivants. Les caméras, les appareils photo, les téléphones portables, les microphones. Les éléments importés dans le projet sont les clips vidéo, les photos, les bruitages, les commentaires et les musiques. Les travaux à réaliser dans le projet sont l'optimisation des vidéos, des photos et des fichiers audio, la création des titres, des transitions et des animations, la réalisation des enregistrements vocaux et l'harmonisation des sons. À partir du projet terminé, nous faisons la création et l'exportation du film vers le disque du PC, un disque externe ou un téléphone portable, un disque DVD, ou en ligne sur YouTube ou Facebook. Maintenant, je vais vous présenter l'écran d'accueil du logiciel de montage Magix. Il y a d'abord le menu qui propose les commandes nécessaires au fonctionnement du programme. Les commandes du MediaPol permettent d'apporter les éléments nécessaires à la création du projet. Vidéo, photo, musique, bruitage, effets vidéo et musicaux et de nombreux modèles de création. Le contenu du MediaPol permet de visualiser les éléments importés. Le timeline est composé de 99 pistes. C'est l'endroit où l'on construit le projet. On y importe les éléments présents dans le MediaPol afin de les travailler. Le zoom du timeline sert à ajuster la dimension des clips sur les pistes. Le module de navigation permet de déplacer le curseur et de travailler sur toute la longueur des pistes. La barre d'outils sert à la réalisation des travaux sur les éléments qui se trouvent sur les pistes du timeline. L'écran d'aperçu sert à visualiser les éléments présents dans le MediaPol ou sur les pistes du timeline. En cliquant sur cette icône, nous créons le film. Nous l'exportons sur le disque du PC ou sur un périphérique portable ou en ligne sur YouTube ou Facebook. Et enfin, l'aide qui permet d'avoir de nombreuses informations sur l'utilisation du programme Magix. Maintenant, nous allons réaliser un projet et un film avec le logiciel de montage vidéo Magix.